Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Barabetou, moyo et nous bonsoir. Tout dit, tout nous est la moyo, mon moakouloua, banjelouni, bansantou, moakouloua, bankamboua, bandekonabiso, bandeko, bambolingo. Tous allez copier sa bien en beauté, bisikanyon, so bozali. Recevoir Bissau, peut-être on a Tongo, peut-être on a pourquoi. Donc bonjour ou bonsoir. Wandougou apenzi, Wasiki zi, Waluga la Kiswahili, Hamoujambo. Bampangi à Beto, Bampangi à Vincent, Mbote na Beno. Alors on passe à la langue de Molière, notre langue commune. Alors, comme vous pouvez le constater dans le titre, un peu de sagesse sur la barbarie de certains délinquants de Malembankoulou. Parce que nous pensons que tous ne sont pas des délinquants. J'espère que cela soit une minorité. Une minorité à la solde de certains politiciens. Pourquoi je dis à la solde de certains politiciens? Parce que je vais vous démontrer par un extrait vidéo de John Kayembe qu'il n'y a pas longtemps que M. Katumbi et Mwandon Simba se trouvaient à Malembankoulou, donc en meeting. Voilà, chers compatriotes, apprenons à nous aimer les uns les autres. Wandoguzetu ya Malembankoulou, tuko binadamu, tuko watoto wa Mungu Mwenyezi ametuumba sisi wote, tupendane, bandeko ya Malembankoulou, tolingana, tozalibana, ya Nzambe akela biso, ndenge moko, personne n'est supérieur à l'autre. Cessez les jalousies inutiles, cessez aussi les idées reçues. Les idées reçues, c'est quoi? Les Kassaïens sont des venteurs, les Kassaïens occupent nos boulots. Mais d'après ces vidéos que nous avons visionnées, ces Kassaïens-là qui habitent là, certains y habitent depuis très longtemps, certains y ont des parents, des grands-parents, même des arrière-grands-parents, c'est chez eux, ils sont katangais. La fille là que vous avez essayé de maltraiter en la torturant, cette fille-là s'est intégrée, elle parle le Kiluba de Malembankoulou. Elle parle, elle maîtrise le Kiluba de Malembankoulou. J'ai vu des bons samaritains de Malembankoulou aller à l'hôpital, lui administrer des soins, lui apporter de l'argent. C'est la preuve de l'amour. Eh bien, la majorité de ceux qui perpétraient ces crimes se trouvaient être des jeunes. Alors, je pense que les autorités devraient penser à une éducation civique depuis le bas âge. Une éducation civique depuis le bas âge. Ça se fait aussi au Cameroun. Hein. Au Cameroun, c'est déjà pratiqué. L'amour du prochain
est enseigné depuis le bas âge pour combattre le tribalisme. Donc on pourrait commencer cette éducation à partir... moi je propose que ce soit enseigné à partir de la troisième année primaire, l'amour du prochain. Nous sommes égaux, ne pas haïr l'autre parce qu'il a plus que moi. Ou nous sommes créés égaux, ou à prendre même les droits de l'homme d'une façon très simplifiée aux enfants. Il y a un article des droits de l'homme qui stipule que nous sommes nés tous égaux. À la naissance, nous sommes tous égaux. Nul n'est supérieur à l'autre. Et puis, notre pays est très grand, très vaste. Nous sommes plus de 100 millions, mais le Congo est trop grand. Si on divise ce chiffre de plus de 100 millions, actuellement, on pense que on est évalué à 102 millions officiellement. Il y en a qui parlent de 120 millions, mais c'est selon. Mais j'ai entendu la ministre du Plan, elle dit que l'évaluation est maintenue à 100 millions. Et j'ai consulté, j'ai vu que c'était 102 millions. Alors diviser ça par 2 400 000 km carrés, j'ai arrondi. Vous trouverez que par kilomètre carré, nous ne sommes pas nombreux. Je vous rappelle que le Congo, ça prend toute l'Europe de l'Ouest. Nul n'a le droit de chasser un citoyen congolais de la terre congolaise pour le déplacer vers un autre territoire. Normalement, ces personnes-là devraient être arrêtées, recherchées et arrêtées. Ceux qui prêchent cela, ces Kasaïens-là, ces descendants de Kasaïens, comme je les appelle, ils sont nés à Malembankoulou. Ils sont donc de là-bas. Ils n'ont pas où partir, ils n'ont personne dans le Kasaï. C'est inhumain de les chasser de là. Voilà, chers compatriotes, il n'y a même pas lieu de parler de jalousie parce que vous avez brûlé des cases. Vous n'avez pas brûlé des villas. Ce que vous avez brûlé là, c'est pas des villas, c'est des cases en terre. En terre et en chaume. Chers compatriotes, je demande aux parents... et surtout aux autorités de Malembankoulou de récupérer la plupart des jeunes gens pour une éducation civique, pourquoi pas une éducation du genre le service national. Chers compatriotes, je vais vous démontrer que ceux que vous chassez là, les descendants de ceux que vous chassez là, ils sont épris d'amour et ne font pas du mal aux Balouba 4 qui vivent dans le Kasaï. Regardez cette vidéo. Il parle en Kiluba 4, mais je veux traduire ce que je peux. Je parle Kiluba Kasaï aussi, mais je vais traduire ce que je peux. Très bien. Nous sommes ici en Boujimaï. Nous sommes originaires de Malembankoulou, mais nous sommes presque 12 ici. En Boujimaï. Du calme, Tukijai Mouchima, exactement comme en Chiluba, en Kasaï.
Soyez calme, adoucissez vos cœurs. Je traduis littéralement. Voilà. Ayez pitié de nous. Nous sommes vos frères. Voilà, nous sommes ici à Mbujimayi. Nous avons tous nos frères et sœurs de Malemba. Ils sont ici avec nous. Oui, toutes les familles là de Malemba Nkulu, nous sommes avec eux ici à Mbujimayi. Nous avons notre frère qui est ici, venez parler. Oui, bonjour. Il parle en swahili. Notre frère là, il est de Malemba Nkulu. Moi, je suis Kasaïen du Kasaï. J'ai l'habitude d'acheter du poisson à Malemba Nkulu. Nous faisons cette image, nous diffusons cette image, nous envoyons à Tumbakan, journaliste de Malemba Nkulu. Oui. Tout ce qu'on vous raconte sur nous, c'est faux. Vous voyez, ici chez nous, il n'y a pas ces habitudes-là de haïr les autres. Nous avons fait cette vidéo. Journaliste Ntouma Kalume, aidez-nous à propager cette image vidéo. Répétez plusieurs fois cette vision. Demandez à nous, aux frères et sœurs qui sont là-bas à Malemba Nkulu de s'apaiser. En général, il est en train de parler du climat pacifique qui règne là-bas et que cela devrait aussi régner de l'autre côté. Ayez le cœur bon et calme comme nos frères qui sont ici. Oui, que le cœur s'apaise, que les élans des uns et des autres s'apaisent. Que vos cœurs soient apaisés. Ouais. Nous saluons tous les gens qui sont à Malemba Nkulu. D'après notre compatriote John Kayembe, lui-même aussi Baluba Kasaï, la haine ne date pas d'aujourd'hui, mais elle a été plus entretenue lors de la venue de Moïse Katumbi à Malemba Nkulu. Bon, veuillez noter que cette vidéo que vous allez voir, comme il le dit lui-même, ne date pas de ces derniers temps, mais ça date un peu de quelques jours passés. Hein. Il n'y a pas longtemps, ça veut dire il n'y a pas plus de 2 mois ou plus de 3 mois. Bon, c'est ça que ça veut dire. Ils sont passés par là. Ils savent ce que c'est que haïr le Kasaïen. Ils savent que Moïse Katumbi est un tribaliste. Les images et plusieurs vidéos en attestent. Alors, quelques délinquants en ont profité. Regardez. Salut à tous les internautes congolais, c'est John KMB.
Nous sommes dans la province des Olomami. Cette province a 5 territoires. Kamina, Kabongo, Bukama, Kanyama et enfin Malembankulu. Cher ami, c'est ici à Malembankulu où le ciel était sombre pour certains Congolais d'origine kassayenne. Tabassés, battus, torturés, brûlés et assassinés en plein jour. Rappelez-vous, nous sommes en plein 21e siècle. La haine des Kassayens a toujours existé dans ces coins de la République. La haine des Kassayens est réelle. Elle est même entretenue par des colons de mauvaise qualité qui pensent que leur ennemi, c'est les Kassayens. Voilà les conséquences aujourd'hui. Je ne pense pas que cet acte de barbarie est un acte isolé. Je ne pense pas que cet acte est un acte spontané. Je pense qu'il a été prémédité, préparé, exécuté, grâce à un mot d'ordre. Suivez mon regard. Voici une ancienne vidéo de Moïse Katumbi Soriano, le Zambien, à Malembankulu. Ici, il joue la victime en disant à la population que maintenant, il pose la question à la population. Cette technique que Moïse utilise fait croire à cette catégorie de gens que Moïse est l'un d'eux. Et puis le Moussoufou Boye Babande Konangaï. Et ça que Batumbine n'a pas quoi reculer à Moka. Baza n'a pas bon souvenir, Yamindele. Parce que Mundele a qui l'y a moupé. Et que aujourd'hui, ces gens-là qui sont dans des coins, soit comme la Moïse Katumbi, soit comme on a moi la Mundele, ou soit comme on a Mundele. Alors pour eux, ils pensent que c'est un représentant du bonheur. Bah, éviter qu'il nous trouve à l'ilou, un manipulateur. Voilà comment il vient avec un message de dire qu'il va y avoir des abattés. On ne les a pas en réalité. Les gens de ce coin, ils ont répondu en vérité, ils ne les a pas en réalité. Maricema, Moïse a gêné pour Malemba Ina Kouabo. Pour Malemba Ina Kouetou. Pour Malemba Ina Kouetou. Très cher ami congolais. Dans le Katanga, il y a des Baloubas qui sont là depuis 5 générations. Un enfant kassayen, dont l'arrière-grand-père est né au Katanga. Le grand-père est né au Katanga. Le père est né au Katanga. Yimuka Botemi na Katanga. Bazoubé na e kassayen est prêt à être pourchassé. Mais l'enfant d'un Italien grec est considéré comme étant le fils du Katanga à 100%. Écoutons maintenant ce que Moïse Katumbi demande aux habitants de Malembankulu. La question que je me pose, qu'est-ce qui s'est réellement passé à ces meetings de Moïse Katumbi à Malembankulu pour que Moïse Katumbi demande à la population de stopper, d'arrêter avec le tribalisme? Sûrement le caméraman a coupé des choses, peut-être que la population chantait contre un peuple. Pour que Moïse intervienne en disant que toi tu es membre du tribalisme, qu'on arrête avec le tribalisme. Ou peut-être c'est connu de tout le monde que c'est un coin où les tribalistes sont vraiment actifs. Point d'interrogation. La population est debout, debout. Refuser les Kassayens ici à Malembankulu. Comme vous le constatez, chers Congolais, ce sont des jeunes qui chantent, qui ne veulent pas des Kassayens à Malembankulu. Je ne pense pas que c'est spontané. Je suis sûr et certain que ces jeunes sont utilisés, que ces mouvements sont sponsorisés, entretenus. Et je suis sûr et certain qu'il y avait un mot d'ordre. Batoto ya malemba mina wapendaka juu wanapikaka tumakumatuko unosana
Moïse Katumbi et Mwando Simba étaient à Malemba Nkulu il n'y a pas très longtemps. Est-ce une coïncidence? Qui sait? Mwando Simba. Quelqu'un m'a conseillé de ne pas insister, de ne pas parler, de ne pas montrer les images de ce qui s'est passé à Malemba Nkulu. Parce que la tension est encore haute. Il faut venir en rassembleur. Il faut parler en tant que Congolais nationaliste. Je dirais ceci. Il y a des coins du pays où l'État n'a pas existé, ça fait très longtemps. Et la population a évolué selon ses mentalités, selon ce qu'on leur dit à propos de l'autre. Je conseillerais à notre gouvernement de trouver un homme, une femme, originaire de Malemba Nkulu, qui est influenceur, une influenceuse. Pour petit être à moi chez la radio, et bien là quoi y mettre dans Malemba Nkulu. Là où on joue de la musique, là où on parle de la société, là où on parle des projets, on parle de tout, on parle de l'unité. Parce que les Tiki Bangoubongo, ils sont perdus. Parce que les Moïse Akoya, parce que les manipulés Bango, parce que les Mwando Simba, parce que les John Numbi, les Maloko là-bas, créateurs d'opinion, nous devons prendre en charge notre pays. Il y a des gens qui sont dans des villages, mais le côté. Ils sont prêts à écouter n'importe quelle fake news. Chercher une influenceuse, un influenceur de Malemba Nkulu. Au PC Bamboumbo, on va sur la chaîne à radio. Et vous allez qu'on émettre la honte moro moyenne Kuna dans Malemba Nkulu. Il faut dépenser pour unir les gens. N'importe où ça la marque. Il y a des radios communautaires. Il y a des radios qui parlent de l'unité, qui parlent contre le racisme. Bah, radio m'a foutu à Rabango. Les influenceurs sont payés. Parce qu'ils allaient jouer un rôle, quelque part, il y a gouvernement. Mais à leur niveau, dans leur langue. Payez ces gens-là pour qu'il y ait une unité avec ces deux peuples qui cohabitent là-bas. Il ne suffit pas seulement de dire nous sommes tous des Congolais cohabitant ensemble en harmonie. Non! Il faut travailler sur cette harmonie. Il faut travailler sur cette harmonie nationale. Il faut que Tchalar n'aimait ça. Il faut payer des gens. Va jouer rôle. Il va rassembleur. Va influenceur. Dans le bon sens. Ça se paye, l'unité. Ça se paye. Parce qu'il y a des gens qui payent pour diviser. Alors il faut faire le contrepoids. Une autre méthode pour pousser les gens à vivre en harmonie, c'est de créer une chaîne de télévision. Là où vous faites passer des bonnes émissions, qui éduquent, qui montrent les ressemblances dans nos langues, dans nos cultures. Qui aient des chaînes de télévision dans chaque province ou dans chaque territoire. Il faut travailler sur la cohésion nationale. Il faut travailler et mettre de l'argent pour l'unité nationale. Ce n'est pas gratuit. Bandegonaba Congolais, pour finir, vous savez, pour mettre la paix, l'harmonie entre des communautés différentes dans ma territoire, Wana, il faut mettre de l'argent. Ça coûte rien. Pas tout ça dans ma territoire, dans ma village. 100 dollars, 200 dollars, c'est beaucoup d'argent. Il faut payer des gens. Pas avoir influencé. Basse la moussala, pendant qu'il y a des gens qui dorment, la Kinshasa. Batou ma bengi bamou batou ya, changement de mentalité. En cravate, en train de se promener dans des jeeps, dans français, dans Moloko. Non. Changement de mentalité, c'est de prendre des gens à la source, dans un village d'Abango, dans un territoire d'Abango. 100 dollars, 200 dollars, c'est rien. Une chaîne station de radio, c'est rien. Et permettez-moi d'organiser une émission, un concert, un match de football entre communautés, Balingana. Ceux que vous allez monter, les paroles ne vont pas suffire.
On a l'illusion de se croire capable, à partir de Kinshasa, de résoudre ma problème communautaire en abattu. Botia l'art, botia mogo. La paix, l'unité, l'harmonie, ce n'est pas gratuit, ça se paye. Voilà, chers compatriotes, j'espère que nous allons apprendre à nous aimer les uns et les autres. Je m'adresse à nos frères de Malembankoulou. Kasaïen ou Katangé, nous sommes des Balouba. Nous appartenons à un ancêtre, nous sommes descendants d'un ancêtre commun. Je conseille aux autorités sur place, même les autorités supérieures, d'instaurer une situation telle que l'amour soit enseigné depuis l'école primaire, l'amour de l'autre et non pas la haine de l'autre, que l'éducation civique soit enseignée dès l'école primaire. Voilà, chers compatriotes, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.